Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette traditionnelle voilà, vidéo du samedi sur les petits projets du week-end. Donc je suis avec la petite souris, vous l'avez entendu, elle est là derrière moi. La vidéo va être rapide parce que du coup je me mets pas 50 000 trucs à faire. Le week-end dernier, voilà, hein, j'ai bien compris que voilà, il fallait pas trop se faire de projets de dingue. J'ai juste objectif. Rattraper mon retard sur ma toile petit lapin. Regarde, elle est toute mignonne hein, quand même. Elle est vraiment choupie cette toile. Voilà, ça ce week-end, je vais. Elle est jolie celle-là. Elle est jolie, c'est pour toi que maman l'a fait. Hein. Parce Oui. que j'adore les petits lapins. Parce que tu adores les petits lapins. Donc si je pouvais, voilà, arriver dimanche soir et en être ici, ça m'irait bien. T'as sur ma poupette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je dois aussi terminer ma case du défi de Jackie. Bon, elle est pratiquement finie. Hein. J'ai fait tout le quadrillage du. Ben, c'est que du noir avec un tout petit peu de vert ici. Donc, j'ai déjà fait mon quadrillage damier. J'ai plus qu'à le remplir. Donc, ça va aller très, 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 très vite. Elle est sympa à faire. Une case par semaine, c'est vraiment bien parce qu'elle est quand même très, très sombre. Et ben, comme je fais celle-ci. Ouh! Attendez, je me surpose. Il y a mon bulldozer qui passe. Bon. Ma petite tornade vient de sortir. Elle avait repéré un cadre licorne à dessiner. Un truc que j'avais chez Action. Mais alors Alice, quand elle passe, elle passe. Oui, alors je disais, j'aime bien. Elle est sympa à faire. Et le fait de la faire en parallèle avec celle-ci qui est que couleur toute douce comme ça, c'est top. Donc voilà. Oh, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. Voilà. Vous voyez, je ne me suis pas mis des objectifs de dingue. En point de croix. J'aimerais bien boucler. En tout cas, une grande partie. Il ne manque plus grand-chose, mais la petite Alice, elle ne me laisse pas trop de temps. J'aimerais finir le feuillage vert ici. Voilà. Et peut-être commencer un peu ben, la couleur 7. C'est du vert un peu plus foncé, il me semble. Voilà. J'aimerais bien la boucler, celle-ci, avant la fin du mois. Voilà, c'était mon petit projet. Donc, c'est la Monstera que j'avais eue chez VIP Cross Stitch. Voilà. Voilà. Donc, je vais la prendre. En fait, vous voyez, je travaille un peu dessus. Et puis après, j'en prends une autre. En fait, j'aime bien fonctionner comme ça. Je vais continuer la mini. Alors, celle-ci, c'est celle que j'avais eue en partenariat. Celle-ci, c'est un partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc, je l'avais commencé. Voilà, vous voyez, je l'ai commencé. Elle est super sympa à faire. Et puis, je fonctionne par case. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il y a des fils. Aussi, on en voit ici. Voilà, des cases. Donc, j'aimerais bien que cette case-là, elle soit faite complètement fin mars. Oui, je me laisse de la marge, mais ça va. Hein. Elle est pas. Comme je travaille par zone et par case, ça ne me fait pas tant de confetti que cela, en fait, ce coup. Parce que quand j'en ai un petit peu marre du confetti. Je pars dans le bleu. Donc voilà, la petite toile mini. Celle-ci, donc, c'était le partenariat. Et l'image, c'est ça, c'est le vitrail de mini. Voilà. Donc je vais la prendre aussi ce week-end, parce que ben, je l'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ben, celle-ci, vous avez vu, je vous avais fait un réel. C'est ma fameuse toile Harry Potter parce que vraiment j'ai envie, c'est pas celui-là, de démarrer ce. Bah alors la caméra il rend pas du tout, mais regardez le réel, j'avais fait un réel sur la chaîne, le violet là, il est trop beau. Donc comme j'ai envie, et ben je suis mes envies et je suis coincée pour mon Oraloa. Je sais pas parce que j'ai toujours pas eu de réponse de leur part pour le kit qui est abîmé. Bon, la toile n'a rien, donc je me dis je pourrais la démarrer. Mais si je me dis peut-être qu'ils vont me dire on vous renvoie un kit et puis on reprendra celui-là en échange, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Donc même s'ils me renvoient un kit, après au pire je remets, je fais un switch. Mais je me dis si ça fait comme Elisa qui se trompe de kit, bah voilà. Alors, celle-là, je sais pas. Je vais voir, je sais pas. En tout cas, les trois autres, si je travaille dessus ce week-end, celle-ci, j'avais très envie de la commencer, mais je sais pas. On verra. Voilà.
En lecture, eh ben, qu'est-ce que je fais en ce moment en lecture? Je suis toujours sur Jessica Fletcher. Mais j'ai un peu de mal ce tome-là, je ne sais pas pourquoi. Et, ben, je pense que c'est parce que je ne me mets pas assez dedans à fond. Et genre, en audio, j'écoute Meurtre et Séduction. C'est un cozy mystery hein, de MC Beaton, donc la même autrice de, qui fait Agatha Raisin. Donc voilà. Oh, mais vraiment, ça m'agace cette voix enrouée. Donc voilà, pas grand-chose de prévu. Un petit peu brodé sur celle-ci. J'aimerais vraiment bien finir la toute petite partie de verre qu'il y a là. Et ça serait bien. Et puis reprendre les deux autres toiles, reprendre la mini. Et voilà. Et puis ça, ben, vous voyez, le damier, ça va aller. J'ai juste à combler les trous, donc ça va aller assez vite. Et j'aimerais bien avancer la petite lapin. Parce que je suis toujours en retard. Je n'ai pas réussi à rattraper mon retard. Donc j'ai fait ma bande là. J'ai commencé deux cases ici. Mais techniquement, dimanche, j'aurais dû en être là. Bon, après, c'est tout. Je ne me mets pas de pression. Le principal, c'est qu'elle soit finie le 28 février, que je puisse lui accrocher dans son petit coin pour le 1er mars. Parce que moi, le 1er mars, c'est le printemps. Hein. Voilà. Même si ce n'est pas officiellement. Moi, 1er mars, c'est le printemps dans ma tête. 1er juin, c'est l'été. Voilà. Si je fonctionne comme ça. Donc, voilà. Bon, ben voilà tout pour cette petite vidéo projet du samedi. Demain, il y a la vidéo tag. J'avais été taguée par Catherine, donc je l'ai déjà enregistrée, celle-ci. Donc, je l'ai programmée. Je vous la mettrai demain. Et j'aimerais bien filmer parce que hier, vous avez eu la première partie et j'ai reçu le restant. Alors, j'aimerais bien filmer. Regardez, je vais vous faire un petit teasing. Alors, je sais même plus le nom de la boutique. Je me rappelle même plus chez qui j'ai vu ça. Oh, bah, je sais plus. Vous voyez, je sais même plus chez qui j'avais passé commande. Ma main, c'était chez qui ça? DIY Shoes? Oh, je ne sais pas. Enfin, celle que je vous ai fait une vidéo hier. Je ne me rappelle plus. Alzheimer. Et je vous avais dit, il me manquait des petites choses. Donc, je l'ai reçue. C'était ça. Alors, vous n'allez pas voir. Mais voilà, je vous fais un petit teasing. Donc, c'est ça qu'il faudrait bien que je filme aujourd'hui. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, je me suis vraiment dans une période lapin. Là, il y a un petit point de croix, voilà. Tout petit, petit. Ça sera pour avril, pour Pâques. Et après, c'est des petites toiles toutes mignonnettes. Mais c'est vraiment pour la petite souris. Voilà. La petite chipounette, là, qui est partie. Enfin, je sais pas quoi. Du coup, elle est parvenue. Et qu'est-ce que j'aimerais bien faire en termes de vidéo hein. Je vous l'avais montré dans un réel, je vous avais dit que j'avais pris des toiles d'occasion d'une nana qui séparait de tout ce qu'elle avait, elle en avait beaucoup. Donc j'aimerais, mais je pense que je vais faire des vidéos différentes pour cette toile. Là, c'est la toile de Cendrillon de chez Dac. Enfin, c'est pas Cendrillon qu'elle s'appelle, mais ça représente Cendrillon. Et je pense que je vais faire différemment pour ça. Voilà. Mais je vais avoir besoin de l'aide de mon mari, alors je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera publiée, du coup. Parce que c'est lui, quand il y a des montages à faire, ce qui arrive très très rarement. Moi, je filme spontanément, à l'arrache comme ça. Enfin, pas à l'arrache, mais ouais, si, sans fioriture. Et quand il y a des montages, parce que, je sais pas, il faut que je rejoigne, ou que le téléphone s'est coupé, ou... C'est lui qui fait. Voilà, voilà. Mais, ça peut prendre du temps. Donc, je sais pas. Mais j'ai bien envie de faire ça quand même. Ou alors, il faudrait qu'il m'explique un peu. Parce que c'est toujours, je te montre. Et en fait, il fait à ma place. Et du coup, ben, je fais pas. Et, oh, allez, je vous fais des teasings de malade. Regardez ce que j'ai sorti de ma réserve. Voilà. Ah, ça. Et ça, j'ai bien envie de faire un défi. Enfin, un défi, non. J'aime pas trop ça. Un truc fil rouge, on va dire. Autofilter, je vous en ai déjà parlé, sur mars, avril et mai, histoire de sortir celle-ci qui attend et que je trouve trop trop belle, avec sa petite maison perdue dans la forêt. Voilà. Mais ça, pareil, voilà, il faut que je vous filme tout ça et que je vous montre. Et une fois, je vous avais dit que j'avais un souci de commande, il s'était trompé. Alors, je crois que c'était Gutfeld, la société.
et que j'avais dû faire une réclamation PayPal. Heureusement, payer toujours pour le truc par PayPal. Et je l'ai enfin reçu. Alors, je vous la montre comme ça parce que je ne vais pas faire un unboxing. Voilà, c'était cette petite gorgeous là que j'avais. Il s'était trompé. Et voilà, je l'ai reçu. Voilà, voilà. Bah, les gorgeous, je commence à en avoir pas mal. Donc, c'était la dernière. Pas quoi que Alice, celle-là, elle a dit oh, celle-là, elle est trop belle. J'ai dit attends, j'en ai pas mal à faire. Donc, voilà, voilà. Bon, ben, la rose qui arrive. Donc, je vais vous laisser là, sinon les grognements de Paco Cher vont accompagner cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me commenter, à appuyer sur le petit pouce, à vous abonner à la chaîne ou à me rejoindre sur les différents réseaux. Je les mets en barre d'infos. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt. Déjà sur lundi pour la vidéo blabla du lundi. Et demain pour une vidéo tag. Voilà, voilà. Bon samedi à vous. Bye bye.